Bonjour à tous, voici le bulletin de ce samedi 26 novembre en début de soirée. Les pressions poursuivent leur légère baisse sur le nord du pays, en marge d'une dépression assez creuse, centrée au nord des îles Britanniques, avec une pression de 975 hectopascales. Elle apportera un renforcement du vent sur les côtes de la Manche. On relève déjà ce soir 63 km/h à Boulogne, 80 km/h au Cap Gris. L'anticyclone des Açores protégera les régions plus au sud. Pour demain matin, le temps sera maussade sur la Manche avec de faibles pluies et un vent soutenu. Petite pluie également sur la pointe bretonne. Ailleurs, les brouillards seront nombreux, seules les régions méditerranéennes profiteront d'une matinée bien ensoleillée. Les températures pour demain matin seront généralement comprises entre 4 et 8 degrés, avec localement de petites gelées du sud-ouest au nord-est, ainsi que dans la vallée du Massif central et des Alpes, 9 à 13 degrés près des côtes. Pour l'après-midi, le ciel sera bien chargé sur la plupart des régions. Quelques éclaircies sont possibles, mais sans certitude. Une nouvelle fois, c'est sur les régions méditerranéennes que l'ensoleillement s'annonce le plus généreux. Côté maximal, elles atteindront le plus souvent 10 à 15 degrés, 6 à 9 degrés sur le nord-est et jusqu'à 16 à 17 degrés sur la côte d'Azur et la Corse. De la Haute-Normandie au Nord-Pas-de-Calais, le vent soufflera assez fort de sud-ouest, virant au nord-ouest en mi-journée, rafale jusqu'à 80 km/h sur la côte en matinée. Demain dimanche, nous fêterons les Séverines. Le soleil se lèvera à 8h16 et se couchera à 17h01. Si vous désirez plus de précisions sur votre commune, vous pouvez consulter notre site internet sur www.agathe-france.com ou appeler nos répondeurs au 0892 46 38 36. Passez une excellente soirée.